Si l'on mettait le temps du plastique en musique, zic, zic, on y perdrait son temps. De temps en temps, en y gagnant des sous et des bijoux en plastique. Bien plus économique, mique, mique, et bien plus intéressant que les diamants que l'on pend au cou des gens. Car le temps du plastique, c'est bien plus fantastique, tic, tic, on y voit le printemps passer son temps à faire des fleurs en papier. Si l'on mettait le temps des pin-up au pick-up et up, on y gagnerait son temps et son argent tout en y perdant niette, à part le chouette. Mais le chouette, tu le repeuples en virant ton pick-up et up sans avoir à causer à ces pépés qui font pi, qui font pi, qui font pitié. Car le temps des pin-up, ça s'en va et puis up. Et hop, c'est pin-up que l'on pique. Et hop, sur les murs des maisons, des cons, des cons. Si l'on mettait le temps des fanfares à la gare, 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 on perdrait pas son temps de temps en temps. Et l'on y gagnerait quoi? Se faire bien de la joie, car mieux vaut une guitare. Les sonneries de la gloire, war, war, et que les salons cossus, connus, dodus, où l'on se file les potins et le potin. Car le temps des fanfares, ça s'en va d'art, 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 d'art. On y voit des acas, cadets, mi-quoi, crever comme tous les hommes. Mettez le temps des pin-up à la gare et les fanfares au plastique. Et puis hop, on serait peinard, il n'est peut-être pas trop tard. Trop tard, 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 trop tard. Monsieur Aloïs Goguel.